Salut salut, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une petite vidéo bonus du calendrier de l'Advent. Donc comme ça, normalement il ne devrait pas y avoir de trou pour l'instant. Avec un petit haul, donc je vous avais demandé sur Instagram et dans la partie communauté de YouTube. Mais bon là, il n'y a que 3 personnes qui ont répondu au sondage. Donc j'ai pris en compte celui d'Instagram. Voir si je vous mettais 2 vidéos haul, donc cette partie-ci. Et une vidéo haul pour la commande que j'ai fait chez Révolution pour le Black Friday. La majorité a répondu 2 vidéos, donc ça m'arrange, comme ça, dès que je reçois ma commande Révolution, vu qu'il n'y a pas énormément, hein, il y a 4 palettes et un fond de teint, mais au moins je pourrais tester le fond de teint en même temps de la vidéo avec vous, voilà, parce que j'ai vraiment très envie de le tester. Donc là on va passer, on m'avait quitté la porte, c'est un haul, alors j'ai été dans plusieurs endroits, je vais commencer par Auchan. Moi, c'est à Auchan. Donc je me suis acheté pour les fêtes cette petite mini jupe en velours. Elle est juste trop belle avec une ceinture. J'ai pris en taille 40. Normalement ça devrait être bon, je suis pas sûre, mais on verra bien. Elle est au prix de 12,99€. Moi je l'avais choisi parce que en fait il y avait une petite étiquette rouge à 9,99€ sur les jupes. Sur toutes les autres étiquettes, et la seule qui est à ma taille que j'ai pris, j'ai pas fait attention, il n'y avait pas l'étiquette rouge. Donc je l'ai payé plein pot, hein. Bon après c'est que 3€ de différence, mais voilà. Donc mon mari m'a dit, ouais mais le velours c'est vieux. Bah non, moi je vais lui montrer que le velours ça fait pas vieux. Donc voilà, je la trouve juste trop belle, la ceinture et tout. Pour aller avec, je me suis acheté quelque chose qui coûte assez cher pour ce que c'est, mais que j'ai toujours rêvé de pouvoir mettre, mais que je ne pouvais pas en étant en obésité, puisque il n'y a jamais les bonnes tailles, ou alors ça ne fait pas beau. C'est une paire de collants. Là, ils sont pailletés. Donc, on voit sur l'image à quoi ils ressemblent. Voilà. Bon, vous ne voyez pas vraiment avec le... Ah si, là, vous voyez bien. Et voilà. J'ai toujours rêvé de pouvoir mettre ce genre de collants. Il n'est jamais pu parce que voilà, quand on est trop gros, bah, on a du mal à s'habiller. Bizarrement, les grandes tailles, c'est très compliqué à trouver, même si c'est un peu plus répandu maintenant. Mais voilà. Donc c'est la gamme plaisante, enfin c'est le modèle plaisante. Et moi je l'ai pris en taille 3, donc c'est la taille M. C'est la marque Divine, donc ils étaient à 12,99€ aussi également. Et voilà, il y avait plein de modèles différents, il y en avait 2 que je craquais un peu dessus. Par contre, j'ai vu qu'il y a déjà un accro dedans. Ici, il y a un fil qui dépasse, donc j'espère que une fois que je vais les mettre et que ça va se reprendre un peu, on verra bien. Mais voilà, j'avais trop envie de porter ce genre de collant un jour dans ma vie. Et avec, je m'achèterai un haut, donc je m'achèterai un pull de Noël, puisque j'adore les pulls de Noël. J'en ai un, mais je pourrais plus le mettre puisque c'est une taille 48, je crois. Donc je pense que si maintenant je le mets, il va être vraiment très large. Mais je m'achèterai un pull de Noël pour l'avec parce que je me suis dit Noël et en même temps avoir chaud, parce que voilà, comme j'ai tout le temps froid, ben je me suis dit le mieux c'est un pull de Noël. Et je pense que ça le fera très bien. Pour aller avec également, je voulais m'acheter des bottes donc qui montaient jusqu'à hauteur à peu près du genou, puisque ça aussi, une fois qu'on maigrit, on peut plus en profiter parce que c'est très 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 dur de trouver des bottes pour les gros mollets. Franchement, c'est limite honteux. J'ai trouvé, il y a quelques années, 2 paires que j'avais eu en solde chez Paprika. Mais alors, c'est pas donné, hein, chez Paprika, les godesses. Là, je les avais payées pas cher parce que j'avais une paire, je crois, à moins de 10€. Et l'autre à 20. Je crois quelque chose comme ça. Donc, 30€ pour 2 paires de bottes, c'est le prix d'une paire de bottes ailleurs. Mais là j'ai vraiment eu du mal, il y avait, donc vu que c'était pour le Black Friday, il y avait 70% sur certains produits. Comme à chaque fois, moi je craque sur les trucs qui ne sont pas soldés, ça c'est d'office avec moi. Donc bien sûr, je n'avais pas trouvé de bottes au final, il y en avait plein que j'aimais bien, mais c'était soit tendin, alors je me suis dit si après je les mets pour aller dehors, je vais avoir les pieds trempés, soit le talon ne me plaisait pas, enfin il y avait toujours quelque chose qui ne me plaisait pas. Et je me suis dit finalement je vais me rabattre sur une paire de bottines, ça ira très bien avec le... avec le look, et j'ai craqué pour celles-ci, qui sont pas pour moi, hein. D'accord, mais pour celles-ci, elles sont juste trop belles. Donc je voulais un petit talon, je voulais pas un grand talon, parce que pour celle de Noël j'aurais aimé un plus haut, mais je me suis dit acheter une paire de bottes à 30 balles ou 40 balles pour les mettre une ou deux fois, ça sert à rien. Donc là au moins je pourrais les mettre tous les jours,
Et elles sont vraiment très, 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 très jolies. J'adore. Vous avez les décos au-dessus du talon, plus deux lanières ici. Voilà, c'est vraiment le genre de bottines que j'aime bien, avec une tirette. Donc j'ai pris la teinte 38, bien que je rentrais dans le 37. Donc j'ai quand même perdu deux pointures. Je rentrais dans le 37, mais je me suis dit, si je veux mettre des grosses chaussettes parce que j'ai froid les pieds, il vaut mieux que je prenne quand même une pointure où je suis un peu plus à l'aise, vu qu'il n'y avait pas énormément de différence entre les deux. Mais je les trouve vraiment, vraiment magnifiques. Et j'ai donc payé ça 39,99€. Voilà. Et est-ce qu'il y a un modèle de noter? Non. Je vous mets le code QR quand même en gros plan si jamais vous voulez le scanner pour essayer de le retrouver sur le site. Voilà. Comme ça, vous pourrez le scanner pour le mettre pour. Pourquoi je suis fouxe? Je suis fouxe. Ah, merci. Vous pourrez scanner pour essayer de le retrouver sur le site. Alors, on va passer chez Action. Là, il n'y avait pas de promo. Hein. Voilà, faire des promos sur les prix de Action, c'est un peu... Il y avait beaucoup, beaucoup de choix. Donc, pour commencer, mon mari a pris un mix-up parce qu'il a flingué le mien. Voilà. Après, le mien avait quand même 6 ou 7 ans. Hein, donc, il a vécu. Donc, il en a racheté un. Vu le bruit qu'il a fait, donc là, c'est juste la boîte. Hein. Vu le bruit qu'il a fait quand il l'a testé, je me suis dit, à mon avis... de soupir mort le truc, hein. Ça faisait un peu bruit de la fraise chez le dentiste là. Pas trop confiance, mais bon, au moins ça nous dépannera parce que mon mari fait énormément de soupe, il adore la soupe, il en fait souvent, surtout avec les légumes de son jardin. Voilà, il est très content de pouvoir faire des soupes avec les légumes de son jardin. Donc voilà, ça sera toujours utile. Alors je vais essayer de choper le gros carton. Il a également pris ceci, donc c'est un radiateur à convecteur, chauffage par convection, pour mettre dans la salle de bain, parce qu'en fait on avait acheté une chaufferette il y a quelques mois pour la salle de bain, vu que la note était morte parce qu'elle avait au moins 15 ans. On en avait acheté une chez Action et en fait on s'est rendu compte 3 semaines après qu'il les rappelait toutes parce qu'elles avaient toutes un défaut et elles prenaient feu. Donc on l'a jeté, voilà, on l'a même pas ramené, quoi, parce qu'il nous remboursait, hein. Mais non, elle est tombée en panne entre temps. C'est vrai qu'on aurait pu la ramener, mais on l'a pas fait, on ne trouvait plus le ticket, voilà, c'est pour ça. Donc du coup, il a pris ceci, donc c'est le dispositif de chauffage puissant et silencieux avec pièce statique, fournit une chaleur rapide et confortable. Donc bah, écoutez, on va tester ça. Moi j'ai même dit, là, je l'ai pas fait cette fois-ci. Mais pour mes prochaines vidéos, je pense que je le mettrai dans mon bureau aussi parce que ici, je vous jure qu'il caille. Et pourquoi je suis encore flotte? Donc chez Action, pour commencer, donc il y a des choses que bah, je ne peux pas vous montrer parce que c'est de la bouffe que mon mari a déjà mangé. Un sac cadeau parce que je devais m'en servir tout de suite. Mais j'en ai acheté un deuxième pour mettre les cadeaux de naissance de ma belle-sœur. Voilà. Comme elle va accoucher... durant le mois de décembre, normalement, en espérant qu'elle accouche pas pour les fêtes. Mais je lui ai pris celui-là, voilà, pour mettre tous les petits bordels qu'on a achetés pour le bébé, un peu à droite à gauche. Et voilà. J'ai repris des Temptations pour mon chat. Normalement, je parlais Catisfaction, mais là, il n'y en a plus du tout. Ça fait quelques fois qu'il n'y en a plus, donc je lui prends ceux-là en attendant. Il les aime assez bien, mais il préfère les Catisfaction quand même. Hein. Il les mange un peu plus vite, les autres. Je me suis racheté, alors il me fallait absolument des patchs pour le dos parce que je n'en ai plus et il n'y avait plus que des petits. Alors je déprime, on a pris 3 paquets mais j'en ai déjà utilisé un. Il y en a 4 dedans comparé aux grands qu'il y en a 2, mais les petits ne chauffent absolument pas. Donc voilà, je les ai quand même pris au cas où j'aurais de la chance et que je tomberais sur un lot qui chauffe. Parce que voilà, quand j'ai vraiment mal le dos, c'est le seul truc qui me calme un petit peu. Donc j'en ai repris, mais je vais retourner voir à Sud Messancy parce que là on avait été à Sud Arlon. Je vais retourner voir à Sud Messancy dans la semaine vu que mon mari est en congé pour racheter des gants. On a pris également 2 fois les brosses collantes là, pour les poils. Voilà, quand on a des animaux, c'est notre meilleur ami. Et on n'en avait absolument plus. Donc on en a pris 2. Ça part très vite. On a quand même 2 chiens, un chat, une neige. Et du joli neige. Hein. Elle est très fine, mais on la voit bien. Je suis le 1er décembre, hein, on est le 1er décembre aujourd'hui que je tourne. Voilà. Ensuite, j'ai repris des crèmes pour mes chiens, donc j'ai repris 2 paquets comme ça. En fait, il n'y avait pas énormément de choix cette fois-ci, le rayon était quasi vide. Je ne sais pas s'il y a une razzia,
Mais voilà, on prend toujours les chicken ici parce qu'ils adorent ça, les strips, les chicken strips, ça, c'est du bout de poulet séché. Donc c'est hyper naturel pour les chiens, c'est très bien. Pour mon gros, j'ai repris les trois gros nonos comme ça parce que je les aime aussi énormément. C'est pas super sain, hein, c'est pas la même chose que les autres. Mais c'est des chewing fun. Voilà, il aime bien parce que ça lui passe le temps. Lui, c'est plus pour mâchouiller, pour s'amuser que pour manger. J'ai repris une gourde comme ceci pour mon fils pour quand il va à la gym avec l'école. Il les prend toujours à l'école et en fait, surtout, ne pas mettre la vaisselle. La mienne était toute plate. Enfin, la sienne. J'avais lavé la sienne parce qu'elle avait fait une fois de la grenadine. Alors, je lui ai interdit de faire de la grenadine dans ce genre de bouteille justement parce que c'est chiant à laver. Encore, j'ai un gousse, là, un gros pion pour les biberons, donc j'utilise ça en principe. Mais je lui ai dit de ne plus faire de grenadine dedans parce qu'on a, on a eu la bonne idée de le mettre au lave-vaisselle. C'est marqué hein, dessus que vous ne pouvez pas. Hein, voilà. Mais il a fondu. Donc pas bonne idée. On a repris également un allume-gaz pour mon gaz tout simplement. Et j'ai pris celui-ci parce qu'il y avait une recharge avec. Vu qu'on n'a plus de recharge de gaz, il faut que mon mari aille en racheter. Et comme il va bientôt devoir aller à la pompe, il le prendra en même temps. Mais comme ça, ça dure un petit peu plus longtemps. Alors ici également pris une grosse boîte de truffes. Donc c'est marqué XXXXL, dedans vous avez 478 grammes de truffes au cacao, c'est des Prestige of Belgium, et il me semble qu'il les avait déjà achetés une fois. Vous avez quand même un super gros paquet à l'intérieur, donc il les a déjà achetés. C'est bon shopping. Voilà, elles sont en petite forme de poops. C'est des bébés poops. Mmh. Ouais. Ils sont pas dégueux, hein. Mmh. Moi, je dis, c'est vraiment pas dégueu. Et si vous avez un cadeau à faire à quelqu'un de gourmand, c'est génial. Comme je pose du chocolat partout maintenant. J'ai également pris deux cartes de Noël, voilà, pour mettre dans les concours. Donc je vous mettrai un petit mot à chaque gagnante, hein, parce qu'il y a les deux lots. Donc vous avez bien sûr tous les liens en barre d'infos. Voilà, je vous ai pris deux cartes de Noël pour mettre avec les concours. Donc je les mets directement dans la petite boîte. Et dernier produit que j'ai acheté chez Action, j'ai complètement craqué. Vous allez voir, c'est trop beau. Oh, il est trop beau. D'ailleurs, il irait trop bien ici, hein. Mais voilà, c'est un sac. Alors c'est hyper léger, hein, c'est de la frigolite. De la frigolite ou du plastique, je sais pas. Plastique, c'est marqué. Il fait 23,5 sur 33,5 sur 7 cm. J'adore les rennes, hein, voilà. Surtout à Noël. Mais j'aime tout ce qui est déco rennes, j'adore déjà en règle générale. Donc pour Noël, j'étais obligée de m'en trouver un. Hein. Mon mari m'en a acheté l'année dernière un lumineux. Je vous montrerai ça sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre. Je vous montrerai quand j'aurai branché. Je crois que je vous l'avais montré l'année dernière. Je sais plus. Bref, je vous le montrerai de toute façon quand j'aurai branché. Mais il est juste trop beau. Il est 2,49€, quoi. 2,50€. Alors vous aviez en blanc, en doré, en argenté et en espèce de rouille bronze comme ça. Ils étaient tous magnifiques, hein, mais bon, moi j'aime bien les blancs. Les décos blancs pour Noël, je trouve ça trop beau. Donc voilà pour mes derniers petits achats chez Action. Donc je suis passée également chez Di. Donc là, il n'y avait pas non plus énormément de promos. Je voulais regarder s'il y avait le calendrier de la vente chez NYX. Il n'y était pas, il y avait un grand coffret de chez NYX pour tester toute la gamme de Noël. Mais alors 83€ le coffret, quoi. Enfin, quasi 85€. Non, je ne peux pas, c'est beaucoup trop cher. Donc j'ai juste acheté le parfum licorne que j'avais vu sur le site pour ma nièce pour son anniversaire. J'étais un peu en retard pour ma fille, j'étais un peu en retard pour son cadeau d'anniversaire et du coup je voulais absolument ce. Je l'avais vu en coffret en fait, vous aviez le parfum, j'ai essayé de vous mettre une petite photo. Vous aviez le parfum, un gel douche et puis je sais plus quoi. Là, il y avait juste le parfum tout seul. Donc après, on est passé chez Creutzvat, on leur a trouvé, parce que comme ils sont jumeaux, ma fille et mon neveu, on leur a pris une couette Fortnite chacun à 15€ chez Creutzvat. Voilà. Bon. Mais du coup, comme on n'avait pas de sac parce qu'on a été à l'Hydrion, donc c'est un centre commercial, mais tout ouvert, en fait, c'est des boutiques l'une à côté de l'autre. On n'avait pas de sac et mon mari, du coup, m'a acheté un sac en plastique réutilisable avec des licornes. Trop. Donc vous avez le petit pochon
avec un porte-clés pour en mettre dedans. Et voilà. Alors, lui, il pensait que c'était 1 ou 2 euros. Au final, c'est quasi 5 euros le sac, je crois. Donc, il a un petit peu râlé après coup. Mais voilà, moi, je suis contente. Et du coup, à la caisse, il y avait une promo sur les crayons bourgeois. Les contours clubbing waterproof. Ils étaient à 5 euros à la place de 8,99, me semble-t-il. Et elle m'a demandé, vous voulez profiter? Ben, j'ai dit oui, ça tombe bien, parce que le tattoo liner de chez Maybelline, il tient bien en muqueuse inférieure chez moi, mais en muqueuse supérieure, pas du tout. Au bout de 10 secondes, j'en ai plus. Donc là, je vais essayer, voir s'il tient mieux. Si celui-là ne va pas, je repasse vraiment chez Sephora, parce que... voilà, et j'irai me chercher un stock, pour être sûr. Mais ceux de chez Sephora, j'ai jamais eu de soucis, et j'ai du mal à en trouver un qui tient aussi bien. Donc celui-là, je vais le tester. D'ailleurs, je le testerai en même temps que mes produits Make Up Revolution, comme ça arrive. Alors ensuite, chez Creutzfeldt, j'ai acheté pour mettre dans mon sapin, parce que j'en mets tous les ans, et également pour vous en mettre quelques-uns dans les votes et concours, j'ai pris 2 boîtes de canne à sucre, voilà, des candy canes. J'en achète chaque année, j'en mets dans mon sapin chaque année, comme ça les enfants quand ils viennent, après Noël, donc à partir du 24 si on fait le réveillon chez nous, ou à partir du 25 quand ils viennent chez nous, à ce moment-là ils peuvent se servir dans le sapin et en prendre une. Voilà, 99 centimes pour 2, 4, 6, 8, 10 cannes à sucre. Il y en a chez Action aussi à 89 centimes, donc pour 10 centimes de différence, je les ai pris parce qu'ils avaient tout un stock, et souvent chez Action, ils tombent vite à court, donc j'avais peur de ne pas en avoir. Donc comme je suis passée chez Creutzfeldt avant Action, j'ai pris chez eux pour Action. Voilà. Alors ensuite, j'ai enfin trouvé quelque chose que je voulais tester. Ah, et chez D, j'ai eu une pochette cadeau aussi, comme ça. You are delicious. Delicious. Voilà, elle est très mignonne, très petite. Je la garde pour les prochains concours. Donc j'ai trouvé 2 produits que je voulais absolument tester depuis très longtemps, mais que je ne trouvais pas dans celui que je mets d'habitude à mes sensibles. Donc là, j'ai trouvé à Ronde. C'est la crème colorante pour les cheveux de la marque Creutzfeldt. Et c'est la couleur Midnight Blue. Donc il y a des reflets bleus dedans. Et franchement, je ne sais pas si vous allez voir. Oui, vous voyez un peu les reflets quand même. J'ai vraiment hâte de tester. Donc celle-là, je la ferai un petit peu avant Noël, parce que là, je viens d'en faire une. J'avais fait une garnie toute simple. Hein. C'était marron glacé. Non, pas marron glacé, c'est le genre que je fais d'habitude. Là, il y avait doré dedans. Et ça me fait vraiment les racines. Là, vous ne voyez pas à cause des éclairages, mais quand je suis au soleil, j'ai les racines vraiment jaunes. Voilà, c'est affreux. Moi qui n'aime pas le doré déjà en règle générale, c'est affreux. Oh, j'ai des bébés cheveux qui dépassent. Mais celle-ci m'intriguait beaucoup. Et vu le prix, franchement, je me suis dit, si elle est bien, je resterai sur cette marque-là de colo. Et si la couleur me plaît, je resterai exactement sur cette couleur. Et en plus, une fois arrivé à la caisse, avec ma carte, j'avais droit à 1 euro de réduction sur la colo. Donc, c'est tout bénéfique. Deuxième produit, c'est aussi de la marque Creutzfeldt, c'est aussi pour les cheveux. J'ai enfin trouvé l'huile, donc c'est le Moroccan Argan Oil, huile capillaire, cheveux pelucheux et secs. Voilà, j'ai jamais vu des cheveux pelucheux, mais bon. Pour des cheveux lisses, brillants et doux comme de la soie, donc celle-là, j'ai vraiment hâte de tester. Voilà, les produits Creutzfeldt, j'en ai déjà testé plusieurs. Oh, il neige de plus en plus. J'en ai déjà testé tout ce qui est crème, j'avais testé l'eau de rose, des démaquillants et tout ça. Franchement, les produits Creutzfeldt sont très bons. Et d'ailleurs, je me demande, je ne sais pas si ça pourrait vous plaire, mais ça ne sera pas dans l'immédiat bien sûr, parce que je n'ai pas vraiment les moyens. Mais si pour un prochain concours, ça vous intéresserait que je fasse un concours uniquement avec les produits de la marque Creutzfeldt, parce que je sais que vous n'en avez pas en France. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça pourrait vous intéresser pour un prochain concours. Alors j'ai également, j'ai pris les 2 produits qui manquaient pour le concours make-up, donc le liner essence et alors finalement le rouge à lèvres Catrice, je vous ai pris le Move to the Rhythm, puisqu'il était moins foncé que le Lamapou. Et je me suis dit ça plaira peut-être plus à tout le monde que l'autre. Voilà. Donc je vais le mettre directement dans le produit pour ne pas oublier. J'ai enfin trouvé, parce que pareil, à mes sensibles, il n'y était pas. Donc, à Aran, j'ai trouvé le mascara marron. Alors, c'est pas pour mes cils, hein, parce que le mascara marron, c'est... quoi qu'il est très foncé, hein, moi, je l'avais acheté à ma nièce pour que ça fasse un peu plus discret, mais ça fait noir. C'est le Crazy Volume I Love Extreme Brown Mascara. Et en fait, je l'ai pris pour mes racines, pour mes cheveux blancs, pour couvrir mes cheveux blancs, pour remplacer celui que j'ai acheté pour les racines exprès, là, de chez L'Oréal, je crois.
me semble-t-il, parce que celui-là me défonce le crâne, en plus ça ne tient absolument pas, donc je me suis dit quitte à ce que ça tienne pas, autant que je prenne celui-ci qui coûte quasi rien, et qui me grattera certainement moins la tête, puisque les mascaras à essence, je les supporte très bien sur mes cils, donc sur la tête, je devrais les supporter aussi bien. Mais donc voilà, ça c'est pour mes petits cheveux blancs de mamie. Et pour terminer, bravo moi, il y avait une promo sur les produits de visage, les soins visage et maquillage de la marque Garnier, L'Oréal et Maybelline. Garnier, L'Oréal et Maybelline, me semble-t-il. Donc je voulais prendre deux fois ma crème hydratante que j'aime d'amour, mais d'amour. C'est la Hydrobombe. Hydrabombe, en français ça sera mieux. Crème super hydratante antioxydante, hydrate jusqu'à 24 heures, réduit les ridules, protection anti-UV, SPF 10, extrait de grenade plus antioxydant plus acide hyaluronique. Et j'adore cette crème hydratante. Franchement, je l'aime d'amour. Donc je voulais m'en prendre deux, comme ça je me suis dit j'ai un petit stock, mais il n'en restait plus qu'une en rayon. Pas de chance. Donc du coup, j'ai repris le sérum hydratant et liftant Revitalift de chez L'Oréal. J'ai repris le sérum là, que j'aime beaucoup aussi, mais j'aurais préféré avoir deux crèmes hydratantes. Quoi. Par contre, chez D, j'ai eu un échantillon de l'Aquagel Hydro Boost, ouais, Hydro Boost de chez Neutrogena. Je vous jure, en un échantillon, en une utilisation, j'ai eu un réel coup de cœur. Donc j'avais en plus un bon d'achat de 2 euros, donc je vais aller la chercher. Il faut que j'aille en Belgique, au Luxembourg, aux courses. Donc dès que je vais dans un magasin où je la trouve, je me la prends avant fin décembre, puisqu'il est valable jusqu'au 30 décembre, le mois. Parce que j'ai hâte de voir si je l'aime autant après plusieurs utilisations, parce qu'elle est d'enfer. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo, ce petit haul. Vous avez vu, il n'y a pas énormément, je ne me suis pas ruinée. De toute façon, maintenant avec les cadeaux de Noël, on a été faire un petit peu de repérage aussi à droite à gauche. On a chopé quelques idées et on a trouvé deux cadeaux en plus. Donc voilà, c'est pas mal. Bien sûr, les cadeaux, je ne vous les montre pas, puisque si jamais les gens à qui on veut les offrir passent par là, j'ai pas envie de leur gâcher leur surprise. Je vous posterai une photo une fois que j'aurai fait cette colo, parce que j'ai vraiment hâte de la tester. Franchement, j'ai hâte. Voilà, donc, et ben moi je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo, et en attendant, je vous fais plein de gros bisous.